Là, on est dans la pensée sauvage. Mais la pensée sauvage, pour faire ce pot-là de graines, c'est-à-dire que les graines, il faut les récolter avant midi. Parce qu'à midi, elles se projettent. Donc, il faut y aller tous les jours, tous les 2 jours, voire au moment où la graine est vraiment à son plus mûr, c'est-à-dire que la capsule s'ouvre, mais avant que ça soit éjecté, ou juste avant que ça s'ouvre. Donc, il faut voir. C'est pour ça que c'est pas si répandu que ça sur le marché, parce que ça demande trop d'attention. Mais j'aime mieux ça faire, c'est m'occuper de ces cultures-là, justement. Moi, je trouve ça plaisant aller observer les petits épis de pensée sauvage. Carosello, non, non. C'est bon. Mais ça aime beaucoup la chaleur. C'est des variétés italiennes. Mais je voudrais l'essayer, mais j'ai l'impression que je ne sais pas s'il donne des bons résultats dans la région. Il est bon, ce cocon-là, en haut, t'as dit. Ah oui, il est doux, hein? Ah oui, c'est pas dur à le gérer. Il y a comme un divet dessus, là. Oui. Là, je sais, je sais quoi. Il y a l'autre, là. J'en ai des graines, mais. Tortarello. Carosello, Castorosello, Barrel. Tortarello, lui, il est long, l'autre, il est rond. Ouais, je connais pas, j'ai ni l'un ni l'autre. Désolé. Mais vous connaissez? Ouais, Ben, j'ai des graines chez moi en plus. Ah oui, ouais. C'est juste que faut toujours que je refasse les variétés que j'ai déjà. Puis là, je suis toujours en rupture de stock. C'est long, tu sais, on peut pas en faire plus qu'une parce que ça se croise. OK. Par année, là. Ah, en tout cas, merci. C'est pas un oignon espagnol, c'est un oignon jaune, mais c'est une variété ancienne. Elle n'est pas ronde comme les oignons d'aujourd'hui. C'est un peu aplati. Ah, okay. Moi, je trouve ça plus beau. Ben oui. Le monde trouve ça moins pratique, mais moi, je trouve ça vraiment plus beau. Ben moi, je il est bon. Bien, il est bon, puis il se conserve. North Georgia Candy Roaster est hallucinante. C'est les bananas, là. Ouais. Tu sais, c'est de même, puis c'est pointu avec le nez retroussé. C'est vraiment cool. Wow. Très sucré. Ouais. Ce que j'ai cette année, c'est Petit Russe, qui est plus un concombre. Il était vendu sur le marché de la Basse-Ville ici à Québec dans les années 40. Okay. C'est quelqu'un, le petit-fils d'un maraîcher qui vendait ça sur le marché, mais c'est plus proche d'un concombre à marinade. Là. Donc, vous avez déjà le côté... Je mange des smoothies tous les matins. Vous aimez les affaires qui sont un peu gélifiantes. Oui, la mauve crépue, c'est la plante pour vous. Okay. C'est une feuille, mais elle gélifie, donc très émolliente. Some of the seeds you have are heirloom vegetables. Most of them. For many people, this is a confused term, heirloom, or old or ancient, or because it's. I'm not really into the idea of the past. I'm more into the idea of the selection processes. So in those days, people would select vegetables and plants for taste and tenderness. Beauty, they gave them poetic names. So that's what I'm interested in. I'm not so interested in having something from the past, although it is a good marketing term. But I'm really interested in the heirlooms of the future. $2. Merci à vous. 3. OK. 10,50. Au paradis. Oui. Excusez.
Alors ça, c'est mes plus beaux navets de la récolte de l'automne. Après la récolte, je les remets en terre, puis je leur fais à croire qu'ils passent l'hiver dans le sud, à 4 degrés Celsius. C'est des Français du 18e siècle. Je me suis dit qu'ils vont aimer la température de la Côte d'Azur. C'est les plus beaux navets de la saison. C'est les, ceux qui ont été choisis pour faire de la... pour reproduire la variété. On va les replanter dans le jardin au printemps. Faut qu'ils se calment quand même, faut pas qu'ils poussent trop. Bon, ça, c'est mes petits rutabaga polonais. Un petit rutabaga qui a juste un numéro pour l'instant. Je pense que c'est BRA1025. On va lui trouver un nom l'an prochain. Il était entreposé dans une banque de semences d'une université américaine. Mais il était à l'origine cultivé par des paysans polonais dans les montagnes. C'est pas une variété commerciale, mais il a tellement un bon goût de cannelle, hein, il est tellement doux. Et je suis sûr qu'il va faire un tabac. C'est pour ça que je développe des nouvelles parcelles. Après 2 mois et demi, l'herbe va être morte en dessous. C'est comme mettre du Roundup, sauf que c'est ça, c'est gratis. J'ai beaucoup, beaucoup de plantes volontaires. J'ai pas du tout besoin de les semer. Dans un mois, là, elles vont toutes être là. Il va y avoir des belles petites colonies autonomes qui vont se promener à travers les rangées. Les libres et puis les régimentés. Là. Alors, si c'était trop régimenté, c'est sûr qu'on a un certain plaisir à régimenter. Tu sais, je pense que c'est complexe, le plaisir. Tu sais. J'ai un plaisir à faire des belles rangées droites, là.
Puis j'ai du plaisir à les laisser se ressemer toutes seules puis décider où ils vont. On dirait que j'ai besoin des deux. Il y a des gens qui sont plus... qui ont peut-être moins de personnalités multiples, là, je sais pas. Les deux sont productifs. Ouais, une plante qui demande trop de soins, là. Je sais qu'elle est pas à bonne place. L'autonomie, là, ça me plaît, là, chez une plante, là. Le plus possible, elle va se tenir tout seul, que j'ai pas besoin de l'attacher, là. C'est... On s'acharne à faire pousser des plantes qui sont pas dans leur élément naturel du tout, là, tellement loin. Hein. Des aubergines ici, je m'acharne à en faire. Même dans ma serre, ils ont de la misère. Elles aiment la chaleur, la grosse chaleur. Mais elles ont l'air nounounes dans un été du bas du fleuve, là, pas dans une serre, c'est sûr, mais elles sont pas nounounes. J'en ai beaucoup, là, des plantes qui adorent là, le temps frais et pluvieux. Tu sais, la betterave, elle s'en fout du vent, hein? Une plante de bord de mer. Donc, les embruns salins, les vents glacés, tout ça. Elle est dans son élément. Première boîte. Ça, c'est tout de... J'ai ramassé, mais je n'ai pas travaillé autant que je pensais. C'était pour transplanter d'autres. D'autres plantes que j'ai dans la maison, que je n'ai pas fait ça. J'étais plus capable. On vient, fatigué, j'ai de la misère. Là, il faudrait... Que je t'ai mis ici? Ouais. En haut, là? Oui. C'est les gros roses, oui. Ils commencent à repousser. Ouais, pas les jaunes, mais les roses, oui, excusez. Hein? Bien oui, ils commencent à pousser. Il n'y a rien qui pousse à travers ça. Mais même les légumes, ils n'aiment pas ça être collés sur les tournesols. Là. On apprend toujours. Hein? C'est le coton. Mais là, c'est en ordre, là. Il n'y a pas de chien dent, là. Jusque-là, c'est tout beau, ça. Il n'y a pas grand-chose à arracher, mais c'est là. Ben non, mais il y a de quoi de vert, là. Oh oui, mais c'est des pissenlits, là. Il n'y a rien, mais, là. Mais oui, mais il faut arracher ça. Oh oui, mais c'est pas grand-chose. Il n'y en a pas beaucoup. Non, je ne vois pas le cerfeuil. Mais il doit être fait. Hein, c'est peut-être en dessous. Le temps ici, mais il s'appousse aussi vite comme la fille. Mm. Il y en a des culottons qui poussent juste là. Oui, il faudrait mettre un bâton. Là. En plein. Même là. Regarde, là. Là. T'en as un méchant tapon. Juste un petit peu, puis. Hein, faut en mettre tout le tour. Pour pas que je marche dessus. Oui. Je vais t'en mettre tout le tour. Hein? Ah, ici, il y a du cerfeuil qui pousse. Il commence juste à pousser, ton cerfeuil. Mais c'est ça. Puis je te dis qu'il est mort. Ça pousse ici assez bien. C'est toute la belle terre à porter. C'est comme tu travaillais dans la farine. Si, ça pousse tout seul. C'est à l'abri du vent, puis... Je m'en viens ici, puis là, il y avait ma petite tourielle. Puis s'il n'est fait deux, trois pieds, c'est tout autant. Bon, j'arrive, je suis reposée. Je suis bien, c'est heureux. Mais tout en pensant à mes ancêtres. Peut-être si j'avais pas pu dire ça, je mets la peine, mais on va se voir bientôt. On va venir te voir. Surtout s'il pleut. Surtout s'il pleut une bonne secousse. Oui, mais il n'en a plus beaucoup, mais ça sera pas trop pire. Mais là, c'est juste parfait pour travailler. C'est pour ça que je vais aller en profiter. Attends, ouais. Pas trop lumière, tu sais, pour ouais, que ça... Oui, juste belle. Que ça travaille bien, pour ouais, ça. En tout cas, c'est ça du succès. On se dit à bientôt, Roland. À bientôt.
quand j'ai commencé cette ferme-là, là, au début, là, c'était un projet artistique. J'avais toutes sortes d'ambitions, là, de mêler art et agriculture. Je me suis vite rendu compte que l'agriculture, ça prenait tout mon jus. Et puis qu'il fallait que je sois productif dans la vie. Concrètement productif. Avoir un produit concret qui se vend comme un produit de base. J'ai réussi à le faire. Ça m'a fait beaucoup de bien, tu sais. Ça assis à terre, c'est beau les rêves, c'est beau les images, la poésie, là, mais j'ai appris à délai ce côté-là, mais à un moment donné, ça donne une écœurite aiguë, là, quand t'es... J'étais plus capable, là, tu sais, le côté terre-à-terre, là, avec tout ce qu'il faut pour gérer une entreprise, puis... Donc, je me suis mis à faire des histoires avec les pommes de terre que je récoltais. En disant, avec chaque récolte, quand j'étais pas trop stressé, ben, on a l'occasion, hein, n'importe quelle récolte. Les carottes m'ont inspiré des portraits, les pommes de terre, des contes. Les angéliques, ben, c'est la sculpture, hein? Il y a des gens qui ont étudié en psychologie. Moi, j'ai étudié en art. Fait que c'est sûr que j'ai envie de jouer et de m'amuser avec ça, hein? C'est des super structures. Mais ça détend l'atmosphère. Au lieu de juste penser à avoir des graines à vendre, là. OK. Mon but, moi, c'est de faire toujours le plus de choses possible avec chaque plante. Moi, j'essaie juste de montrer, de les voir dans l'angle de créatures, finalement, avec qui on vit, parce qu'on sont dans le jardin, hein? Donc ils sont à côté de nous, puis il y a toutes sortes de relations possibles. C'est une société. Ouais, il en manque un peu en arrière, là, mais... Après ça, on joue sur la tête. Là, ça commence à tenir, là. Économiser le papier. Après 3 jours, il avait 3 cartes d'affaires. Mais ce n'est pas n'importe qui.
Hey, wow, on est bien. Très beau. Un peu pour Madame Roland. Un collier de reine. Il va peut-être m'en manquer, hein? C'est vraiment une belle talle, hein? Ah oui, il y en a jusqu'à la rivière. Les canards viennent nicher ici. C'est vraiment superbe. On en prend une bonne récolte? Ben, pas trop, là. Ben, ça pourrait être beau d'en planter. Quoi qu'il doit en avoir à Cabanagero, mais au pire, je pourrais faire juste un bouquet. C'est festif. Ah, c'est beau. Ou on peut les traîner aussi. On peut aussi juste en avoir dans la main. Tu sais? Ces haricots-là, je les ai eus de Roland. C'est des haricots qui poussaient dans son jardin. Puis là, elle était comme la dernière à avoir ces haricots-là. Puis moi, je faisais mon jardin à côté, elle m'en a refilé. Puis en me les refilant, elle m'a raconté l'histoire qu'elle est avec. C'était la fête Dieu, la fête, le 20 juin. Là, il pleulait, là, nous, là, les enfants de Marie, on était tous là, les prêtres, là. Puis les enfants de Marie, la ligne Sacré-Cœur, la ligne Saint-Anne, puis on partait toutes, il fallait toutes être costumées, là. Hein? Hey, nous, avec mon voile, la première fois, toutes, là. Mais elle était longue, la procession. Hein? Puis on avait un grand reposoir pour cacher le Saint-Sacrement. Il y avait qu'un chemin dans ça, là. Puis ils voyageaient les vaches par la même route. À pied en auto. Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. À pied puis en voiture. Puis quand ils sont revenus, c'était l'heure du bardeau. C'était l'heure de la traite de la vache. Tous les chemins étaient bouchés. Ils étaient bouchés, les vaches étaient toutes de chemin. Mais on est allé chercher le. Ils ne savaient plus comment passer avec leur reposoir. Hein. Là, ils ont été obligés de traverser. Puis où est-ce qu'on marchait, là? Le champ, le terrain était semé. Et c'était des champs de feuilles. Puis quand tout ça s'est passé, bien, on dit, on a appelé les Saint-Sacrements. Parce qu'il y avait un Saint-Sacrement qui avait passé dans le champ. Ils ont tous été heureux. On a retrouvé le chemin, en tout cas. Bon. On a une petite surprise en haricot pour toi. Pour moi? Oui. Je vous ai fait un cadeau. C'est toi qui nous as donné l'haricot? C'est les haricots Saint-Sacrement. Je vous ai fait un beau collier de perles avec ça. Oh! David! C'est toutes des Saint-Sacrements. Oh, bien oui, c'est bien. C'est eux autres? Hein? Mais oui, oui, oui. C'est ça, c'est des Saint-Sacrements. C'est ça, c'est génial.
toutes des saints sacrements. Vous allez avoir un collier sacré. Bien, je vais le porter. Voulez-vous que je vous le mette? Bien, sortez. Bien, mettez-moi là. Je vais le porter. Regarde donc ça. C'est beau! Oui, bien, ça se peut pas, hein. Merci, Roland. Merci. Ça, c'est toute une surprise. Ouais, on va être partout. On peut s'attendre toujours avec des surprises. Une graine à la fois. Moi aussi. Ça, t'en as quatre. Essayez de les mettre. Les as toutes mises? Une à la fois, avec une main de distance en chat. Tu rentres dans pour sortir d'ici, là, tu passes ce que t'as peur. Je vais ici. La plante à vrille cyclothère, achocha, péruvienne. Une petite poignée comme ça, c'est évidemment pas une culture commerciale cette année. C'est vraiment juste pour le projet photo. Tu sais, la Société des plantes, on parle de communauté, d'interrelation, donc j'essaie de voir les combinaisons de plantes. Si une plante peut être le tuteur de l'autre, ça, c'est une vieille technique amérindienne, là, les trois sœurs, les courges, les haricots qui grimpent dans le maïs, puis tout. Mais moi, je fais pas pousser vraiment le maïs, alors je fais de la... J'avais cette cucurbitacée-là péruvienne, la cyclanthère, puis les amarantes qui poussent haut. Alors, j'ai juste besoin de faire deux semis de cyclanthère. On va m'arranger pour que le sol soit apte à les recevoir ici. Puis après ça, bien, ça va être un élément de surprise.
c'est vraiment le type de site que les Indiens de la vallée du Mississippi choisissaient. Les seuls Amérindiens qui étaient vraiment agriculteurs, là, dans le Nord, c'était toujours dans les basses terres d'alluvions de rivières comme ça, pour des buttes. Donc, c'est un geste ancestral là, que de défricher ça ici. Là. C'est ce que des Indiens du Dakota auraient fait. Quand même, hein, ça a grandi pour vrai. Hein? Il y a des orages qui se font. Ça a créé le temps à terre. Il faut vraiment que le brisement avant qu'il y ait des orages, peut-être. Le cerfeuil, ça fait partie des plantes qui ont un meilleur goût venant du bas du fleuve. Parce qu'à Montréal, il fait trop chaud. Ça, ça vient du jardin de Roland. Ça poussait dans le gazon autour de son jardin. C'est comme le cassis. Tous les vieux, quasiment, ils ont du cerfeuil puis du cassis en quelque part dans le jardin. Les rouges-oranges, c'est des mâles. Les bleus, c'est des femelles. J'identifie les fleurs qui vont s'ouvrir le lendemain. Puis, je leur mets des ceintures de chasteté pour éviter que le matin, les femelles s'ouvrent et qu'elles reçoivent du pollen d'une autre plante qui appartient à la même espèce qui serait dans tout le territoire chez les voisins. Ils peuvent cultiver des citrouilles ou des zucchinis qui se croiseraient avec mes pâtissons qui sont dans la même espèce, Cucurbita pepo. Donc, la population de Cucurbita pepo, c'est chez, je dirais, 5 voisins par là et puis 3 voisins de l'autre côté. Donc, je ne peux pas exiger qu'ils cultivent... De toute façon, j'ai 2 variétés de la même espèce dans mon jardin cette année.
Donc je les pollinise à la main. Pour assurer une diversité, je choisis des mâles d'un autre plan, puis des mâles de deux plans différents pour chaque femelle, pour imiter un peu le travail des abeilles. Toutes celles que j'ai pollinisées à la main m'assurent que je perpétue cette variété-là. C'est une variété rare sur le marché qui vaut. Moi, je peux pas vendre de graines qui sont pas. Dont la variété n'est pas pure. Donc, c'est la seule façon de faire. Le plaisir de copuler avec les courges. Satisfaisant. Ça apporte une certaine satisfaction. C'est beau. J'espère que ça va fonctionner parce que le pollen était un peu mouillé. C'est une grande première de faire ça sous la pluie. Il y a un trou là, on va l'essayer là. C'est tapé là. Ouais. Les folies de jardin, ça a toujours existé. C'est des bâtiments en général, mais c'est des bâtiments incongrus. Comme une pagode chinoise au beau milieu d'un jardin en Angleterre, c'est une folie de jardin. Ça a quelque chose de profane, là, les folies de jardin. On n'est plus dans le sacré. Là. Semer l'angélique, c'est un genre de folie. Une folie événementielle. Un rituel saisonnier. On n'a pas besoin d'intervenir trop. C'est une plante qui se ressème toute seule. C'est de laisser les choses se faire plutôt que de toujours... intervenir et nuire au processus naturel. Thank you.
Oh! C'est la jungle. Regarde, c'est beau. C'est au-delà de mes espérances, là. Comme communauté. C'est sûr, j'aurais pu le faire avec des amarantes à feuilles vertes, puis on n'aurait pas tant vu l'histoire se dérouler, là. C'est au début, là, quand il commence à pousser, là, les cyclanthères, là, cette plante-là, elle sort ses vrilles, puis elle s'approche de son support, puis c'est genre, m'a attrapé. Puis là, elle finit par l'accrocher. Mais c'est beau, c'est vraiment comme une histoire d'amour un peu. Elle finit par l'accrocher, puis là, tu te dis, elle va l'étouffer. Elle s'entortille après, puis là, ils poussent ensemble. Ils finissent, ils sont rendus haut de même, mais tu sais, ça a commencé très, très jeune, là, cette histoire-là. Puis j'étais sûr que la cyclanthère allait quand même étouffer l'amarant. Puis là, je pensais à mes parents, puis à toutes sortes de monde là, que je connais. Mais ça finit par atteindre un équilibre, puis ça s'est structuré. Mais c'est fou parce que l'amarante, elle va réussir à donner ses graines tout en servant de support au cyclanthère du Pérou qui va donner des petits fruits, c'est comme des petits concombres, là, que tu sais, c'est un légume sauvage là, au Pérou. Là. Ouais, ça goûte le concombre, puis un peu le poivron vert. Juteux. Ouais, mais c'est ça. Comme légumes, il faudrait cueillir un petit peu plus tôt. Probablement que c'est bon cuit à ce stade-là. C'est bien beau, là, laisser les choses faire tout seul, mais faut que ça soit productif. C'est de trouver la bonne petite communauté, là, puis de prendre le temps de la connaître. Ils deviennent quand ils peuvent, tu peux trouver un équilibre, bien, ils sont très autonomes. On perd moins de temps à travailler, puis on peut plus les observer, puis apprendre. Ça donne des intuitions pour autre chose. Puis c'est un peu comme de la politique, ça, c'est les politiques d'immigration, puis on peut toujours faire des parallèles. Des parallèles avec les humains. Hein? Bon, on prend une petite goutte d'eau. La mauve crépue, quand on vient récolter ça, on a l'air des abeilles qui butinent. J'en ai jamais ressemé depuis 10 ans. Comme tout ce qu'il y a ici, là, toutes les fleurs bleues, le persil, il y a des gloires du matin, la mauve crépue. Pas mal ça, sont toutes spontanées, sont toutes arrivées seules.
Il y a des bonnes journées, puis il y a des mauvaises journées. On dirait que c'est pas la journée de la bourrache. Buffalo Bird Woman. C'est la parole d'une femme qui jardine, parce que c'est des tribus qui pratiquent l'agriculture dans la vallée du Mississippi, je crois. Puis cette femme-là était la gardienne des traditions. Donc, ils ont vraiment une communauté qui est axée autour de la culture de la terre. Leurs habitations étaient faites en fonction de tous ces gestes-là. Le toit de la maison servait à faire sécher les courges, le maïs. Bon, ils cultivaient la courge, le maïs, les haricots, beaucoup, les tournesols. Comme c'était une de leurs occupations premières, mais c'était vraiment toute leur architecture était autour de ça. Des fois, je me sens démuni par rapport à ça, à mes installations. Je voudrais m'inspirer d'eux. Ce qui est touchant, c'est de lire ça puis de voir aujourd'hui que quand on travaille manuellement dans un jardin, ça se ressemble encore beaucoup. Lui, je pense qu'il est trop gros. Hein, trop gros. C'est plus petit. J'ai retrouvé dans les vieilles appellations en France pour l'espèce Brassica napus, l'espèce du rutabaga, ils appellent ça des choux navets. Alors moi, je l'ai appelé choux navet blanc de Crosno. Il vient de Crosno, alors plutôt que de lui donner un nom farfelu, il ne s'appellera pas Ricardo, ni Claudine. Donc, on va le remettre sur le marché, mais l'an prochain, ça va m'avoir pris une année de faire pousser l'échantillon, hiverner, faire des graines l'été d'après, semer les graines cette année, puis l'an prochain, oui, il va y avoir le rutabaga, l'an prochain, faire des nouvelles graines. Là, je vais pouvoir le mettre sur le marché. Ça va avoir pris 4 ans pour le... Si tout va bien. Pas le choix.
suis semencier. Donc, quand je regarde toutes les carottes, je me dis lesquelles je choisis pour perpétuer la variété. Jusqu'où je choisis de garder de la diversité. Donc, ça demande beaucoup d'observation. Les paysans qui faisaient ça avant, ils devaient observer un peu comme des artistes, être sensibles aux formes. Il y avait aussi l'idée de faire le portrait de toute une génération de carottes, de montrer chacune des carottes récoltées. Je me disais que d'un point de vue artistique, la question de la sélection, c'était intéressant de l'amener. C'est drôle de s'imaginer le monde souterrain. Il y a toute une communauté sous terre, puis nous, on les voit pas. Ça fait rêver. Tu rêves quand tu jardines. J'ai trouvé que c'était poétique, portrait de Blanche à collet vert, qu'on pouvait s'imaginer que Blanche n'était pas une carotte, mais une femme qui portait un collet vert. Oups, oups, oups. T'en prenais une? Oh. Une petite danseuse. Elle, elle sera pas retenue pour la prochaine section. Mais elle, elle va amuser. Tu sais, là, dans l'armée, il y a toujours une fille qui vient les divertir. Ouais, là. Ouais. Ah, un bougon. OK, ça commence à être un peu moins straight. Ça, c'était le quartier straight. Les straight, on va les mettre là. Les moins straight, là. Je pourrais faire des sélections farfelues juste pour les formes, mais je survivrais pas comme ferme. Les gens recommanderaient pas. Ils diraient, ah, c'est pas soigné, c'est pas... Tu veux pas ça. Les fourches, il faut faire attention de ne pas abîmer les carottes. On va aller... le sécateur, Olivier, il a dû le rentrer. Aïe, aïe, aïe. Il y a du monde là-dedans. Ça, c'est du dodu. Pour du chervis, c'est dodu.
Tu vois un peu. C'est beau, mais c'est ça. Imagine, c'est déjà plus à la mode depuis deux siècles. C'est tombé en désuétude au 19e siècle. Le chervis sauvage, c'est bien, bien rare que quelqu'un ait déjà goûté à ça. Bien, tu sais, ça s'utilise comme de la carotte. Hein. C'est excellent cru. C'est sucré, ça goûte un peu la carotte. En ce moment, il n'y a personne qui en veut, parce que personne ne connaît ça. Mais c'est d'ici 15 ans, 20 ans, je sais pas. Ah, lui, il est beau. C'est comme ça que ça devrait être tout. Ça va plus donner envie aux gens d'en faire pousser. C'est des nouveaux produits, mais qui étaient là il y a 200 ans, mais c'est devenu des nouveaux produits. C'est juste, c'est même pas tant de diversité que ça. Les hommes préhistoriques avaient une plus grande diversité dans leur alimentation. T'as pas des légumes cultivés, là. T'as des plantes sauvages, mais... On est capable, on peut encore en rajouter, là, des plantes qu'on mange. Je fais souvent le même rêve. Je rêve à un cerisier. Donc, je voyais ce cerisier-là, qui me semblait bien particulier. J'avais une vision de la nécessité de le propager. De récupérer du matériel génétique. J'étais un peu affolé parce que j'en parlais à tout le monde, puis ça ne semblait vraiment pas intéresser personne. Personne ne voulait m'aider à m'occuper du cerisier. C'est un rêve qui est un peu flou, mais qui persiste. Ma belle, va falloir les tester quand même pour la germination. Mais en principe, ça devrait germer.
autour de 95 %. Donc, comme je mets un quart de cuillère à thé dans chaque sachet, quart de cuillère à thé, un peu comme ça, là. Et ça, c'est environ, bon, là, c'est vraiment environ un quart de cuillère à thé. C'est environ 300 graines. Donc, 300 rutabaga. Donc, mettons 280 rutabaga. C'est pas mal, hein? Ça, c'est économique, les graines. 3,50, on a 280 rutabaga. Potentiel. Et le plaisir, ben là, non, c'est sûr que les gens qui commandent juste un sachet, ils n'ont pas ce plaisir-là de rentrer ses mains au fond de la chaudière de graines de rutabaga. Wow. Wow. Belle cette année.